De retour à l'est d'émission de recettes de l'odorat du goût de la vue de Louis Dutoucher. Ben, c'est ça pour faire notre sandwich étagé, viande, agneau, poulet, merguez, agneau, poulet, viande. Bon, là, si j'ai pris des oignons, mais ça peut être des échalotes françaises, ça peut être des échalotes vertes, ça peut être une porte de garde-robe, une cabane à moineaux. Mais si c'est une échalote, faut hacher finement. Hacher finement, ça veut dire être fin pendant que tu haches. Pendant que tu haches ton échalote, tu lèves ma petite échalote, tu te fais t'échaler pas mal ces derniers temps. Là, j'ai aussi des endives, mais il y en a qui trouvent que ça goûte amer des endives. Mais si t'as déjà mangé ta mère, c'est parce que c'est une corde de fucké. Ok, fait que là, je prends du loin ou tard, qui est le contraire du proche yuto. La pointure. En tout cas, je coupe ça de même, pas ça de même, je coupe ça de même, pas 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 ça de même. On coupe ça en carré ou en rond, ben en triacelle ou en moitié de rectangle hexagonal trigonométrique, ça dépend comment on fait ça. Là, je fais ça de même, là, vous êtes pas obligé de le faire comme moi, là, c'est-à-dire avec une chemise, des boucles d'année, une boucle d'oreille, qu'un statou, un Dodge Challenger, parquet à porte. Fait que là, je fais griller mes tranches jusqu'à ce que ça soit bien croustillant, pour que ça soit bien croustillant en bouche. Mais c'est sûr, des fois, il y en a qui aiment pas ça croustillant en bouche, mais ils ont rien qu'à manger dans le trou de cul. Ok, là, je prends mes amourettes. Les amourettes, ça peut être deux affaires. Ça peut être de la moelle épinière ou des gosses de taureau. Si votre chum est d'un autre signe du zodiac, prenez de la moelle épinière. Et puis attention, faut que ça soit coupé avec un couteau qui coupe. Si vous faites ça avec un couteau qui joue au quai ou qui fait d'équitation, ça marche pas sur un couteau qui coupe. Je fais ça de même, je fais ça de même, puis de même, je fais ça de même, je fais ça de même, puis de même. Les amourettes, ça peut être remplacé par un morceau de poisson, comme l'aigle fin, qui est le moins cher. Après ça, il y a le tilapia qui est un peu le bar chilien qui est encore un peu plus cher, puis le poids du stade qui est le plus cher. Ça, c'est bon avec les poids mangent tout. Attention, les gars, les poids mangent tout, ne mangent pas tout. Fait que remontez vos flyers. Fait que ça, tu mets ça on va faire un surf and turf. Il y en a qui se demandent pourquoi ça s'appelle surf and turf. Mais c'est au surf, tu fais une planche de surf, tu fais du surf sur la mer, sur les produits de la mer, c'est surf. Puis turf, mais mettons les produits de la terre, c'est pas ok. Les produits de la mer, c'est t'achètes une planche de surf, faire du surf sur la mer, ça veut dire produits de la mer. T'achètes une planche de turf, faire du turf sur la terre, c'est produits de la terre. Fait que first and turf, surf and turf, first and turf, first and call, je vais vous dire, first and turf, first and turf, quand on surf and turf and turf and turf and turf. Et à l'émission d'après, on va faire un trio Tortellini, Cannelloni et Camilleri. Sur ce, je vais vous dire au bourse. Sur ce, je vous dis. Sur ce, je vous dis. Sur ce, je vous dis. Sur ce, je vous le dis à la prochaine.